Je sais pas ce que vous faites, vous, pendant le confinement, mais moi, j'ai trouvé de quoi m'occuper. Alors, j'ai commencé par faire des choses qui me faisaient plaisir, histoire de décompresser un peu. Puis, je me suis mise à regarder des vidéos intéressantes sur les lanceurs d'alerte, sur le professeur Raoul, sur Jean-Claude Crèvecoeur, sur Mika, etc. Et au final, je me suis rendu compte que ce confinement n'a rien à voir avec le virus. Ben non, il n'a rien à voir avec le virus. Si on réfléchit bien, le confinement, il a eu lieu quand? Il a eu lieu le 15 mars, enfin le 16, parce que le 15 c'était les élections municipales. Donc il a eu lieu le 16. Le premier cas avéré en France a eu lieu en janvier, je crois janvier ou février 2020. Donc il fallait déjà commencer à se poser des questions à ce moment-là. Mais non, on a laissé faire. Tous les autres pays ont commencé à se poser des questions, mais ici en France, non. Non, les frontières sont trop fortes, sont trop grandes, elles sont épaisses. Rien ne passe. Pas plus que le nuage de Tchernobyl, d'ailleurs, quand il y a eu l'explosion il y a des années de ça. On s'est pas inquiété. Bon, les hôpitaux n'étaient pas prêts. Il n'y avait pas assez de médecins, pas assez d'infirmières, pas assez d'aides-soignantes. Le masque, c'était pas utile. Et on a laissé faire les choses. Bon. On a laissé les gens se contaminer entre eux. La plupart, c'était des gens âgés. Malheureusement, c'est ce qui risque de nous arriver à tous si on a de la chance. D'autres, c'était des gens qui avaient déjà des grosses pathologies comme des cancers, des problèmes de cœur, du diabète, et j'en passe. Mais bizarrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, bizarrement, avec ce virus qui est arrivé, bah, toutes les autres maladies ont disparu. On n'avait plus accès qu'à ce virus. Il n'y avait plus de crise cardiaque, il n'y avait plus de diabète, il n'y avait plus de cancer, il n'y avait plus la grippe saisonnière, il n'y avait plus de rhume, il n'y avait plus les rhumes des foins, il n'y avait plus rien du tout. Juste ce virus. Et forcément, comme bah, il n'y avait pas de tests, ou très peu, puisque c'est le docteur Raoul qui a commencé à tester les premières personnes en France, bah, on a laissé faire. On a laissé faire. Donc, il y a des gens qui ont contracté le virus, mais c'est passé crème, comme une lettre à la poste. D'autres qui ont contracté le virus et qui bah, ils se sont sentis avec une bonne grippe, comme quand on a une bonne grippe saisonnière. Et d'autres bah, qui étaient déjà plus fragiles immunitairement ou dû à d'autres maladies, qui ont attrapé une forme plus grave du virus. Alors, le problème, c'est que si on prend la grippe saisonnière, qui change tous les ans d'ailleurs, il n'y a pas trop de différence au final. Parce que qui est-ce qui sont les premiers à attraper la maladie? Ben, ce sont les personnes âgées, forcément, celles qui ont le moins d'immunité. Bon. Donc, on en revient à notre histoire de masques. Les masques étaient obligatoires ou pas, selon que l'on en ait ou pas. Le problème, c'est que personne n'en avait, même pas les centres hospitaliers, les maisons médicales, etc., qui ont dû batailler pour avoir des masques. Après, on nous a dit qu'il fallait sortir. Après, on nous a dit, bon, il n'y a pas de masques. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de médicaments.
n'y a pas de vaccin. Donc, confinement. On oublie juste de nous dire quand même que, pardon, excusez-moi, le docteur Raoul, entre-temps, avait découvert un traitement. Un traitement qui fonctionnait sur, quand on avait les premiers symptômes, on se faisait tester, parce que ça a été lui qui a fait les premiers tests. On se faisait tester et si on avait effectivement attrapé ce virus, on avait un traitement qui marchait très bien. Bah ouais, il marchait très bien. Sauf que finalement, le problème, c'est qu'il marchait trop bien. Et que c'était pas prévu au programme à la base. Ben non, c'était pas prévu au programme. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a confiné tout le monde et on n'a pas fait attention à ce qu'avait dit ce professeur. Bon, entre parenthèses, on a quand même eu une autre mère de Nice qui a été contaminée par le virus et qui a été soignée avec le traitement du docteur Raoul et qui s'en est très bien sortie. Mais bizarrement, ça ne marche que sur les personnes et les personnes qui ont des appointements avec l'État. Les autres, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On nous dit qu'il n'y a pas assez de recul avec ce traitement. Bon, il n'y a pas assez de recul. Il y a juste 30 ans de recul, voire plus. Ça fait 30 ans que ce médicament, plus de 30 ans que ce médicament existe. Ça fait plus de 30 ans qu'il a prouvé son efficacité. Mais non, c'est pas assez. Alors, je ne sais pas combien de temps il faut. Combien de temps il faut pour déclarer qu'on a assez de recul pour voir si un traitement il marche ou pas. Parce qu'au final, si 30 ans c'est pas suffisant, combien faut-il de temps? Je sais pas. Bien. Donc, on a donc fait ce confinement. Donc, confinement avec une autorisation, une attestation de sortie. Ah ben non, vous ne pouvez pas sortir comme vous voulez, bien sûr. Attends, vous n'avez pas... Si vous sortez et que vous n'êtes pas contaminé, vous risquez de vous contaminer. Et si vous sortez et que vous êtes contaminé, vous risquez de contaminer les autres. Donc, vous ne pouvez pas sortir. Oui, il vous faut une attestation pour dire où vous allez. Bon. Donc, travail, rendez-vous médicaux, aide à une personne en difficulté, course de première nécessité... Et prendre l'air une fois par jour, bon, pendant une heure, hein, pas plus, ça, pendant une heure. Bien. Alors, quand vous sortez, et si vous avez pris la précaution de prendre votre papier, votre attestation et votre téléphone, vous vous rendez compte qu'au final, si vous vous faites arrêter, la police, elle, n'a ni masque, ni gants, et qu'elle ne respecte pas, ou très peu, le périmètre de sécurité. Bon, faut croire que la police, elle est protégée contre le virus et qu'elle ne chopera rien. Voilà. J'ai réalisé aussi que peut-être que derrière ce confinement, il y avait beaucoup plus d'enjeux autres que le virus. Bah oui. Ça fait un moment que l'économie du pays était en train de se casser la gueule. Tout le monde le savait. Mais tout le monde continue à travailler, ça allait très bien. Là, le confinement donne une raison supplémentaire au fait que le pays se casse la figure. Voilà. C'est dû au confinement qui a été provoqué par le virus. Voilà. Bon. Après, je me demande, parce que si le confinement est vraiment dû au virus, comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont le droit de sortir et pas d'autres? Si le virus est vraiment si virulent que ça, comment ça se fait que tout ne s'est pas arrêté dans le pays? Comment ça se fait que des gens continuent à travailler?
enfin, à travailler et à rentrer chez eux le soir. Parce qu'à ce moment-là, si le virus était si contagieux que ça, bah, je suis désolée, mais dans les hôpitaux, confinement complet, c'est-à-dire que les gens de l'hôpital, ils restent à l'hôpital. Les gens des EHPAD, les soignants des EHPAD, ils restent dans les EHPAD. Un strict minimum ne devrait sortir. Que là, si vous avez la possibilité de faire garder vos enfants, vous pouvez continuer à aller travailler à partir du moment où vous avez l'attestation, bien sûr, parce que l'attestation, il faut qu'elle vous protège. Donc, il faut que vous alliez travailler. Moi, je ne sais pas, ça m'interpelle. Ça m'interpelle sur déjà le virus par lui-même. Et ça m'interpelle par ce confinement. Ce confinement. Je pense que derrière ce confinement, il y a beaucoup d'autres enjeux qui sont en place. Bah oui, parce que en cherchant un peu, on trouve. Et quand on trouve, c'est pas top. Donc moi, je pense que, et je suis pas la seule à le penser, que le gouvernement nous a confinés pour voir notre réaction. Donc il y a ceux qui n'en ont strictement rien à faire, qui se disent c'est juste une grippe, si je l'attrape, je l'attrape, si je l'attrape pas, je m'en fous, ça ira très bien comme ça, de toute façon, on n'est pas éternel sur Terre, donc ça ou autre chose, peu importe. Et puis il y a ceux qui s'accrochent au système, qui attendent que l'État leur trouve un médicament, que l'État leur trouve une solution pour les sortir de la merde dans laquelle ils les ont mis. Voilà. Et puis, ils voient notre réaction. Et selon notre façon d'agir, selon, parce que vous avez remarqué qu'ils ne donnent pas les informations, ils sont très, très subtils au niveau des informations, c'est au compte-gouttes et c'est très vague. Alors, il n'y a pas plus vague que les informations qu'ils nous donnent, c'est-à-dire que personne n'y comprend rien. Bon. Donc là, on a donc un traitement. Donc pour le coup, le vaccin n'est plus obligatoire. Mais je suis persuadée qu'il y en a qui attendent le vaccin avec impatience avant de sortir, c'est clair. Mais le vaccin n'est plus obligatoire. Enfin, ne sera pas obligatoire. Il ne peut plus être obligatoire du fait qu'il y a un traitement. Si on a deux doigts de jugeote, on ne prendra pas le vaccin vu qu'il y a un traitement. D'autant plus que le vaccin ne servira à rien vu que. Si vous rechopez, parce que le professeur Raoul a quand même dit qu'il y avait très 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 peu de chances qu'il y ait une deuxième vague au niveau de ce virus, et que si jamais vous l'attrapez, fort à parier que ça ne sera pas la même souche. Ben non, parce que c'est un virus qui mute. Alors un vaccin, ça fonctionne sur une maladie qui ne mute pas. Là, le virus, il mute. Donc, à quoi sert le vaccin? Je ne sais pas. Moi, pour moi, il sert à rien. Donc, on a les attestations pour sortir. On a un vaccin qui est en préparation ou qui est déjà préparé. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. On a un traitement qui fonctionne, mais ça ne va pas. L'État, il n'est pas convaincu du fonctionnement de l'État. Il va jusque quand même à faire en sorte que le professeur Raoul soit rayé de l'ordre des médecins quand même. C'est quand vous voyez ce professeur Raoul qui est un éminent virologue depuis des années et des années, qu'on le menace de sortir du conseil de l'ordre des médecins, je pense qu'il y a quand même des questions à se poser. Je pense, sincèrement. Bon. Donc on n'a pas de masque. On se les fait soi-même ou pas. On a un traitement
mais qui soi-disant ne fonctionne pas. On a un vaccin en préparation, mais en fait, je pense qu'ils attendent surtout de voir si les gens veulent le vaccin ou pas. On a une puce aussi. Oui, il y a des gens qui se sont déjà fait pucer. Ouais. Non, parce qu'ils doivent penser qu'ils ne sont pas assez espionnés comme ça. Donc, une puce, c'est mieux. C'est mieux. Alors, bien sûr, on nous dit que la puce, ça n'a rien à voir. C'est pas pour espionner du tout, du tout, du tout, du tout. Une puce, c'est juste là pour avoir un maximum d'informations sur vous, pour pas que vous ayez à balader votre portable ou votre sac ou vos papiers, puisque tout sera dans la puce. Bon. Alors, si dans la puce, il y a les informations sur votre identité, si dans la puce, il y a les informations sur votre état de santé, ben, je crois que déjà, il y a pas mal d'informations. Hein. Ils peuvent déjà savoir ce que vous faites, où vous allez, comment vous y allez et pourquoi vous y allez. Bon. Alors, les masques, l'attestation, le vaccin, le traitement, la puce. Et maintenant, on va vous demander de télécharger une appli Covid-19. Bah oui, parce que vous comprenez, il faudrait pas quand même que les gens qui sont soi-disant contagieux aillent contaminer tout le reste de la France, parce qu'il faudrait reconfiner. Ça serait bête, ça serait bête, ça serait bête. Donc avec cette appli, eh ben, on va savoir si vous avez été testé ou pas. Et donc, vous donnez le feu vert ou le feu rouge pour savoir si vous pouvez vous déplacer ou pas. Mais bon, de toute façon, vous ne pouvez pas vous déplacer à plus de 100 km autour de vous. Les aéroports sont censés être fermés. Tout est foreclose, normalement. Bon, moi, je me pose la question à savoir qu'est-ce qu'ils font les avions au-dessus de chez moi, ainsi que les hélicoptères et tout le reste. Quand c'est confiné, c'est confiné. On n'a pas lieu d'avoir quoi que ce soit au-dessus de chez nous. Qu'en plus, ils nous balancent des saloperies à travers la tête, ça, je comprends pas non plus. Mais enfin, c'est peut-être parce que c'est pour ceux, peut-être les rebelles qui veulent pas se faire vacciner, peut-être. Je sais pas, allez savoir, hein, c'est la théorie du complot, hein, après tout. Je sais pas. Alors là, on nous dit qu'il y aura probablement, et je dis pas probablement, un déconfinement le 11 mai. Mais seulement si on est sage. C'est-à-dire qu'il faut bien suivre les lois, ne pas sortir de la maison, obéir aux ordres. Si on désobéit aux ordres, on va changer la donne. Bon. Mais moi, je vous pose la question à savoir, est-ce qu'ils ont besoin qu'on désobéisse aux ordres pour que eux changent la donne, c'est-à-dire pour que eux changent les chiffres. S'ils ont décidé de mettre un département en rouge, ils vont le mettre en rouge. D'ailleurs, ça a fait la polémique, parce qu'il y avait un département qui était en rouge, et il y a eu des témoignages en disant qu'il n'y avait absolument aucun cas de Covid dans ce département. C'est bizarre, hein, dès le lendemain, il est passé au vert. Ah ouais, dis donc. Vous voyez comment on peut changer la donne? Alors, on nous dit aussi qu'il y a des fortes probabilités que... Il y a aussi des fortes probabilités que le déconfinement soit poussé en finale jusqu'à mi-juillet. Et pourquoi il serait poussé jusqu'à mi-juillet? Tout va bien. On va déconfiner petit à petit. Pourquoi est-ce qu'il sera poussé jusqu'au mi-juillet? Ah, parce qu'on sera pas sage? Possible. Mais c'est possible aussi que eux, de leur côté, ils aient peur, parce qu'avec toutes les casseroles qui leur traînent au cul, ils aient un peu peur de l'après-confinement, en fait. Hein? C'est peut-être pour ça qu'ils ont armé la police de LBD. C'est peut-être pour ça qu'ils ont commandé pour plusieurs millions de drones,
Je ne sais pas si en prévision de quoi ils ont l'intention d'aller faire la guerre à qui. Hein? À part au peuple. On peut dire à qui on fait la guerre là en ce moment. Il n'y a pas de guerre. Moi, je ne suis pas en guerre. Je suis en paix. Regardez, il y a un beau soleil. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous fais la vidéo comme ça, parce que je trouve que profiter du paysage, c'est aussi joli que de voir ma tête, en fait. C'est même mieux. Donc, voilà. Les drones, la chloroquinine, les LBD, tout ça pour préparer l'après-confinement. Mais je ne suis pas sûre que ça va suffire, parce que, en fait, tout ça, c'est pour les gens qui vont se sentir, qui vont sortir l'arme au poing et qui vont dire « Oh, mais je vais leur casser la gueule à tous, ça va être vite fait. Bah, » et ils vont vite être arrêtés. Ça va faire comme pour les gilets jaunes et tous les autres. Ils vont vite être arrêtés par tout ce qui est police, CRS, l'armée et tout le tintouin. Et puis, il y a les autres. Ceux qui ont décidé qu'ils en ont marre d'obéir, qu'ils en ont marre de suivre des ordres, qu'ils en ont marre d'obéir à des lois qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils en ont marre d'obéir à des lois qui ne sont pas pour leur bien, qu'ils ont décidé de désobéir, pardon, pas d'obéir, mais de désobéir, et de faire de la résistance citoyenne. Et là, bah, rentrent en jeu les drones, rentrent en jeu la reconnaissance faciale, et tout le reste. Bon, à savoir que déjà sur votre téléphone, vous avez tout ça, hein, vous avez la reconnaissance faciale. Ils peuvent vous suivre via votre téléphone, même s'il est éteint, ils peuvent vous suivre. Ils peuvent vous entendre, même si votre téléphone, même si vous avez éteint votre téléphone, il y a un actif qui reste quand même à l'écoute de ce que vous faites, où vous allez. Voilà, d'où le fait que moi, mon téléphone, je ne le prends plus. Il reste à la maison. H24. Je ne le prends plus. Si vous pouvez savoir la sensation de liberté que l'on a quand on n'a plus le téléphone sur soi, mais c'est juste de la pure folie, quoi. C'est hallucinant. Bref. Donc, on nous dit que le confinement aura lieu ou pas le 11, et que s'il a lieu le 11, les premiers à aller en tête de rang, c'est les enfants. Allez, les enfants à l'école pour que les parents aillent travailler. Bah ouais, on va pas trop faire tomber le système non plus, hein. Faut quand même qu'il y ait un minimum d'argent qui rentre, parce que faut quand même qu'on vous prélève les impôts sur une fiche de paye, et si votre fiche de paye allait à zéro, vous y risquez de pas aller bien fort, parce que l'aide de l'État a des limites. D'ailleurs, elle a tellement de limites qu'ils vont nous imposer un impôt, et ça, je le vois venir gros comme la Tour Eiffel, sur le coronavirus. C'est-à-dire que vous allez être obligé d'avoir un impôt pour renflouer les caisses de l'État dû au confinement qu'ils nous ont imposé, auquel on n'a rien demandé, et pour lequel il n'y avait pas d'obligation d'avoir un confinement. Bon, je ne sais pas si vous suivez ma logique. Toujours est-il que les enfants vont à l'école, les parents vont au boulot, mais qu'est-ce qui se passe à côté? Est-ce qu'ils vont avoir le droit de se promener? Est-ce qu'ils vont avoir le droit d'aller au cinéma? Est-ce qu'ils vont avoir le droit d'aller se défouler au restaurant? Est-ce qu'ils vont avoir le droit d'être en famille ou entre amis, des repas de famille, des repas d'amis? Pas plus de 10 personnes. Alors, si jamais vous avez si vous vouliez profiter du déconfinement pour vous marier et inviter 20 personnes, c'est même pas la peine d'y penser. Si vous avez décidé de faire votre baptême, le baptême de votre enfant, c'est pas la peine non plus, c'est foutu, c'est terminé, pas plus de 10 personnes. Bon. Moi, quand je vois ma famille, on est loin d'être 10. Hein. On est autre que 10. Donc ça, c'est embêtant pour faire un choix, hein, vu que c'est la famille. On ne peut pas faire de choix. Donc on a deux solutions. Soit on fait un choix de qui va venir ou pas, soit on annule l'événement, ce qui me semble le plus plausible et le plus probable. Donc on va nous faire du métro, boulot, dodo.
C'est-à-dire que vous emmenez vos enfants à l'école le matin, vous allez bosser, vous rentrez à la maison, vous rentrez chercher vos enfants et vous rentrez à la maison, vous abrutir avec la télé et tout ce qui va avec. Moi, une chose que j'ai pris conscience avec ce déconfinement, c'est que la télé, ça ne m'intéresse plus du tout, du tout, du tout. Ah, il y a une chose qui me saoule royalement, c'est lavez-vous les mains. Quand on vous donne les conseils, alors on vous donne les conseils au moins 10 à 20 fois par jour. Alors si déjà en une journée, si vous n'avez pas appris à vous laver les mains, c'est que c'est grave, docteur. Et non content, on vous fait sur les chaînes publiques, on vous fait sur les chaînes privées, enfin surtout toutes les chaînes quoi, au final. Parce que j'ai vu, parce que je regarde plus. De la 1 à la 6, je la regarde très peu. Je regarde parfois Arte parce qu'ils ont des documents assez intéressants. Et je m'en vais surtout sur RMC Découverte ou sur d'autres chaînes comme ça. Nature Wild, les animaux, voilà. Mais même là. Moins que sur les chaînes publiques, mais même là, on vous apprend à vous laver les mains. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi, personnellement, on m'a toujours appris à me laver les mains le matin quand je me lève et que je fais ma toilette. Déjà, je me lave les mains. Quand je vais aux toilettes, je me lave les mains. Avant de me mettre à table, je me lave les mains. Je me lave grosso modo les mains entre 6 et 10 fois par jour selon ce que je touche, en temps normal. Ça n'a pas changé grand-chose depuis qu'il y a le virus, au final. Ça n'a pas changé grand-chose, voire rien du tout. Donc, moi, la télé, ça m'abrutit. Je supporte plus. Je supporte plus parce que je vois de plus en plus leurs jeux, je vois de plus en plus où ils veulent nous emmener. Et moi, je freine des cas de fer pour pas y aller. Donc, la télé, ça ne m'intéresse pas. Je m'occupe parce que bon, je ne suis pas toute seule dans la famille, donc ceux qui veulent regarder la télé la regardent, non, je ne veux pas. Donc soit je regarde, comme je vous dis, des vidéos qui m'apprennent des choses, je cherche, j'observe, je regarde des vidéos qui m'apprennent des choses, ou je lis aussi, c'est intéressant de lire des livres intéressants, voilà. Mais il y a plein de choses. Pour au final vous dire quoi? Alors, on se déconfine le 11 ou on se déconfine au mois de juillet? Pour ça, va falloir attendre que les prochaines informations. Voilà, les prochaines informations, à savoir si on a été sage ou pas. À savoir si l'état a changé, parce que autant là, il y a un tiers rouge, un tiers jaune et un tiers vert. Autant à la prochaine réunion, il y aura plus que il y aura les trois quarts ou les deux tiers en vert. Donc, allez savoir ce que ça va donner d'ici la prochaine réunion. Mais je pense qu'ils sont déjà en train de faire les papiers hein, pour le prochain interview de l'État qui va nous dire exactement quoi faire, comment faire. Est-ce qu'on va garder l'attestation de sortie ou pas? Quels sont les endroits où on aura le droit d'aller? Parce qu'il y en a qui seront fermés, d'autres qui seront ouverts. Bon, sans faire les courses, on aura le droit. Aller chez le coiffeur aussi, je crois, peut-être bien. Se faire belle aussi, esthéticienne, on aura le droit. Bon, une personne à la fois, c'est sûr. Bon. Moi, je pense que je ne vais pas aller chez le coiffeur avant le mois de décembre. Parce que vu le monde qu'il y a à chaque fois chez mon coiffeur, je ne suis pas sûre d'avoir un rendez-vous de sitôt. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas un problème. Moi, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, il serait temps, hein, déjà, et d'une, depuis le temps qu'on vous le dit, qu'on vous prévient, il serait temps. Et que ceux qui n'ont pas encore compris qu'on nous mène en bateau, qu'on nous observe, qu'on cherche à savoir quelles vont être nos réactions par rapport à ce qu'ils nous annoncent, parce que comme ils nous laissent dans le flou,
Donc, c'est à nous de prendre notre vie en main. Ce qui, d'ailleurs, entre nous, c'est une bonne chose, parce que ça nous permet de prendre notre vie en main, de chercher des solutions, de trouver des réponses. C'est génial. Donc, voilà. Alors, à votre avis, le déconfinement, il aura lieu ou pas? Parce qu'il y a des maires qui ont décidé de ne pas ouvrir les écoles le 11 mai. Alors, si pas d'école ouverte le 11 mai, pas de parents au boulot. Ah, ça, c'est mal. Bah. Donc, ça reporte au mois de juillet. Eh, au mois de juillet, c'est les vacances. Bah oui, mais sauf que je pense que les vacances, cette année, ça va nous passer sous le nez. Enfin, en tout cas, pour ceux qui travaillent. Pour les enfants, il n'y a pas de problème, c'est les vacances. Hors de question que je mette les enfants à l'école pendant les vacances. Problème est vite résolu. Par contre, ceux qui travaillent, je ne suis pas sûre qu'ils aient droit aux vacances. C'est pas sûr. Je pense qu'ils vont devoir rattraper les 2 mois qui sont passés là dans le confinement. Et voilà, donc est-ce que... Ah oui, le président a aussi dit que les gens pourront se déplacer dans l'espace Schengen. Ah, alors qu'est-ce que c'est que l'espace Schengen? Moi, je connais l'Union Européenne, l'espace Schengen, est-ce que c'est la même chose ou pas? Peut-être. Quoi qu'il en soit, les avions auront le droit de se déplacer d'un pays à l'autre. Pourtant, dites-moi, je croyais qu'on n'avait pas le droit de se déplacer de chez nous autour. Vous prenez votre maison, prenez un compas, 100 km autour, vous n'avez pas le droit de vous déplacer. Et vous avez le droit de prendre l'avion. Je sais pas. Là aussi, il y a un truc qui dérange quelque part, non? Parce que si vous prenez l'avion, c'est que vous allez au-delà de 100 km de chez vous. Surtout si vous quittez le pays. Moi, par exemple, je suis d'origine portugaise. Si j'ai envie d'aller faire mes vacances au Portugal, ça dépasse outre les 100 km. Alors, il faudrait savoir, est-ce que je peux me déplacer que 100 km autour de chez moi? Mais comme les frontières sont ouvertes à l'espace Schengen, est-ce que je ne peux pas aller en vacances chez moi? Enfin, dans mon pays d'origine? Question? Réponse? Il n'y en a pas. C'est au petit bonheur la chance. Voilà. Et beaucoup d'autres choses encore que je vous passe, parce que beaucoup de choses que j'oublie et auxquelles je ne pense pas tout de suite. Là, je suis surtout en train de profiter de la nature, du soleil. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à tout. Voilà. Quoi de mieux, en fait, que l'extérieur pour pouvoir être bien à l'intérieur? Quoi de mieux que d'être beau, de voir le soleil, de voir la verdure pour être bien avec soi? Rien. Et c'est pourtant ce qu'on nous oblige à ne pas faire. On nous oblige à être confinés chez nous, histoire qu'on garde la peur en regardant la télé, histoire qu'on ne voie pas les belles choses. Écoutez, vous entendez la tourterelle? Moi, je les entends tous les jours, les tourterelles. Et puis chez moi, c'est une vraie ferme d'ailleurs. Entre les tourterelles qui viennent chercher à manger et à boire, les pies, les moineaux, on a... des sortes de petits lézards, des tarentes exactement, voilà. Parce que mon fils, il y a 3 ans, il a fait un élevage de tarentes, c'est-à-dire qu'il a sauvé la vie à une petite tarente qui était née en hiver, vous allez savoir pourquoi. Et donc ils l'ont pris avec son père, ils l'ont pris et ils l'ont cajolé, ils lui ont fait un joli petit nid dans une boîte, lui donner à manger, à boire et tout, jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour sortir toute seule. Depuis, elle ne nous lâche plus. Elle habite chez nous, à l'extérieur. Elle a dû faire des enfants parce que ses enfants se promènent aussi sur la terrasse. Le soir, quand on a des restes, n'importe, on le balance par-dessus la terrasse. Ah, attention, on a une bonne raison de le faire. C'est parce qu'autour de chez nous, il y a des renards, des sangliers... Et ils se régalent avec ce qu'on leur met. Voilà. Chez nous, il n'y a rien qui se perd. Tout est recyclé. Tout.
Et voilà à quoi ça a servi le confinement. À changer notre mentalité, à changer notre façon de voir les choses, à changer notre façon de se projeter dans le futur, en fait. À se dire que on est sur un grand échiquier, que jusqu'à maintenant, les Noirs ont avancé leurs pions, et que les Blancs, ils ont laissé faire. Non, ouais, les Blancs n'étaient pas assez... ils étaient passés en accord, ça allait pas, ils ont dû se raccorder. Ah, ça a pris des centaines ou des milliers d'années, hein, mais c'est bon, là c'est bon, les Blancs avancent. Le problème, c'est que les Noirs ne voulaient pas que les Blancs avancent. Donc, ils ont tout fait pour bloquer la route des Blancs. Mais les Blancs sont pas bêtes. Ben non, les Blancs, ils sont pas bêtes. Et donc, les Blancs, ils trouvent des astuces pour contourner les Noirs. Alors, on parle bien d'échiquier, hein, et de jeu. Ils ont tout fait pour contourner les Noirs. Ce qui fait qu'en ce moment, eh ben, y a des Noirs qui tombent et des Blancs qui avancent. Comme je suis heureuse. Comme je suis contente. J'ai la paix dans le cœur, le soleil dans la tête. C'est juste une pure merveille. Voilà. Donc, les enfants, continuez à avancer. Soyez Blancs. Et ceux qui sont encore Noirs et qui souhaitent devenir Blancs, ben, il est encore temps de vous lever. Et d'avancer vers la lumière, d'avancer et de trouver une solution. Les solutions, on les a. Hein. Il suffit de prendre celle qui vous convient le mieux et de s'adapter. Et de... Ça ne se fera pas sans mal, ça ne se fera pas sans... Mais ça se fera. Et la plus belle récompense au final, que moi j'aurai peut-être, éventuellement, ça ne sera pas que... Mon enfant me dise, mais ma maman ou papa, vous connaissiez la situation à l'époque. Pourquoi vous n'avez rien fait? Pourquoi vous avez laissé faire? Mais au contraire, que mon fils vienne me dire et me dise, maman, merci pour ce que tu as fait parce que tu t'es battue contre la famille, tu t'es battue contre les amis, tu t'es battue, tu es passée souvent pour une folle. Tu es passé pour une rebelle, tu es passé pour tout et n'importe quoi. Mais t'as tenu bon. T'as tenu bon pour moi, t'as tenu bon pour tous ceux de ma génération. Et pour ça, je t'en remercie. Et voilà le plus beau cadeau que je pourrais avoir. C'est de montrer le chemin aux enfants, leur montrer le chemin qu'ils doivent qui serait le mieux, le meilleur pour eux, et non pas de leur montrer le chemin de l'esclavage, d'une fausse démocratie, et de tout ce qui va avec, de tout ce qu'on vit actuellement. Mais je pense qu'on n'est pas tout seul à régler ce problème. Je pense que des puissances plus importantes, et au-dessus de nous, sont là pour nous aider aussi parce qu'ils ont vu qu'on était beaucoup, 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 beaucoup à se réveiller, à se lever. Et que là, si on retourne aux échecs, les Noirs sont en train de perdre. Ils s'accrochent, ils s'accrochent, ils s'accrochent, mais je pense que dans pas longtemps, ils seront échecs au roi et échecs à la reine par les Blancs. Donc, si on veut leur faire échec, eh ben, je ne vous dirai qu'une chose. Dans votre cœur, dans votre âme, en toute conscience, et pour le restant de vos jours, choisissez votre camp. À bientôt, les amis. Bye.